Alors, ben dites-nous comment ça a commencé cette aventure-là. Terracine, c'est quand même un projet particulier, un duo contrebasse, violoncelle, un hybride entre les deux, si on peut dire, et puis batterie, ben percussion finalement. Ben, c'est ça, en fait, la contrebasse que j'ai, c'est une contrebasse semi-acoustique. C'est les instruments La Mario. C'est un luthier de Montréal qui a fait ce modèle-là. C'est juste réduit, mais c'est vraiment une contrebasse. C'est pratiquement la même chose. Très beau modèle, en fait. J'avais jamais vu ce genre d'instrument-là avant. C'est unique, quoi. Oui, c'est ça. C'est une invention de Mario Lamort, luthier à Montréal, qui fait aussi des violoncelles, violons, contrebasse pleine aussi, là. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça a commencé, l'idée de base derrière Terracine? Bon, on s'est rencontrés au Cégep. C'est pour participer à Cégep en spectacle. C'est là que ça a parti. Puis depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché. Décrivez-nous, en fait, un peu votre univers, vos influences au niveau musical. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais concrètement, les influences, je pense qu'ils sont pas nécessairement... on les ressent peut-être pas super facilement, mais c'est sûr que des gars comme Claude Lamotte, c'est sûr que c'est moi, ça m'inspire. Ça va un peu avec le genre de... J'utilise un peu la contrebasse dans ce projet-là, d'une autre façon, c'est sûr que c'est ça. Fait que ça fait un petit peu plus comme violoncellistique, mais sinon, j'écoute beaucoup de jazz, des groupes comme The Bad Plus. Mais ça, je pense que c'est un gros mélange autant de métal. J'ai écouté beaucoup de groovy hard rock plus jeune, puis ben, même encore aujourd'hui. Puis, je sais pas, c'est le trip d'intensité. C'est un gros melting pot, je pense que. Mais... Toi, Lydia, de ton côté, ton univers à toi? Mes influences, je pense plus, ça a commencé, bien, vu qu'on s'est rencontrés au Cégep, bien, au Cégep, bon, on étudiait en musique, toutes les deux, puis j'avais des cours comme option en percussion latine, puis là, j'ai commencé à jouer des congas, de toucher un peu à tous les sons percussifs, fait que ça a vraiment changé ma philosophie au drum, parce que sur, mettons, une peau de djembé ou conga, c'était juste une peau, puis tu peux aller chercher plusieurs sons, fait que là, je me retrouve sur une batterie après, ben là j'ai plus de morceaux, fait que je suis posée de savoir faire plus de choses. Fait que ça a vraiment comme j'ai vraiment évolué en faisant des percussions. Puis pour la musique, je suis pas vraiment de band, j'écoute un peu de tout. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup Créatures. C'est vraiment. J'aime beaucoup ça. Mais tu sais, j'aime ça écouter toutes sortes de musique, ça me nourrit, ça m'influence tous les sens. Dans le fond, vous retournez à la base au niveau sonore et au niveau musical. C'est quelque chose qui, justement, fait très tribal, quelque chose d'assez... On sent c'est viscéral. C'était votre but, j'imagine, initialement? Bien, ça a sorti comme ça, je pense. C'est voulu, oui, mais je pense qu'on y pense même pas. Les idées sortent comme ça, puis ça donne ça. C'est un peu ça qu'on voulait retrouver, en fait. Puis c'est peut-être du fait aussi qu'on a vraiment eu...
On a une très bonne chimie, Lydia et moi. Des fois, on compose à distance. En tout cas, il y a des trucs qui se font assez naturellement. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est provoqué à l'intérieur. Là, puis, il y a une espèce de synergie, si on peut dire. Oui. Votre musique qui fait justement très introspective, où il va chercher des émotions fortes en dedans de nous. Avez-vous un côté plus spirituel? Adhérez-vous à une philosophie quelconque? Contez-nous votre bagage à ce niveau-là. Moi, là-dessus, je suis plutôt méditatif comme personne, mais j'ai pas de croyance plus qu'une autre ou de... Je veux dire, je crois pas en une philosophie en particulier, là. Je pense que il y a de quoi de bon dans tout, puis essayer de prendre le meilleur puis le plus sain. Que tu me disais, qu'est-ce que tu trouves le plus inquiétant qui est à tes yeux? De ne plus pouvoir jouer, parce que les places... Il n'y a plus de place pour jouer, mais je pense pas qu'il va tout le temps avoir des places, là. Mais moins peut-être. Là. Ouais. Au niveau de la diffusion de votre musique aussi, ça peut venir en... L'avenir justement du disque en soi, c'est-tu quelque chose qui vous préoccupe? L'avenir musical, oui, la santé se porte bien, la créativité, ça y en manque pas et c'est ouvert à tout le monde, mais de plus en plus même. Mais justement, le côté d'en vivre, le côté de commercialiser de son art, ça devient compliqué des fois, j'ai l'impression. Comment vous voyez ça? Mais en même temps, ça reste toujours une chance quand tu vis de ton art. Fait que moi, je me suis dit ça un jour, je vais arrêter de capoter avec ça. Là. Parce que ça reste une chance. C'est quelqu'un qui vit de son art. Quelqu'un qui veut gagner sa vie avec la musique, il va pas vivre que de son art. Il faut qu'il touche à tout. Puis des fois, il revient après un spectacle, puis il peut revenir bredouille, puis il s'est fait 20$ dans sa soirée. Là, mais sinon, vivre de son art, ça reste quand même une chance. Fait que, c'est sûr qu'on essaie de le pousser le plus possible, essayer d'accrocher les bonnes personnes pour que ça prenne une grande ampleur un peu. Je souhaite en tout cas une belle continuité parce que je trouve que c'est un beau projet. Moi, j'aime bien ce que j'entends et puis on souhaite à tout le monde d'écouter et d'entendre cette sonorité-là qui ne peut pas faire autrement que de ne pas laisser indifférent, j'ai l'impression. Donc, merci beaucoup, Terracine. Merci Lydia. Merci. Merci beaucoup. Merci, Martin.